Bah tiens, voilà le S-Crosi. Ça, il montrait le Macron. Sur BHL TV, télé mongole. Et ils savent bien parler pour dire de la merde. Dire que c'est mon maire, celui-là. J'ai pas voté pour toi non plus. Macron, j'ai pas voté pour lui non plus. Le harcèlement et les viols même dont est accusé M. Tariq Ramadan, pour arriver d'une part à une prise de parole des autorités. Alors qu'il faisait de la moto avec mon oncle. Et à une action assez précise. Mais c'est pas lui qui a fait sortir ce pas de Jarry. Hein. Il était trop jeune. C'est cela qui est pas de jeu. Quoique. Alors, pour le cas, il y ait des mesures pour la fermeture de lieux de culte où les prêches qui seraient formulées. Correspondrait pas aux valeurs de la République, diffuserait la haine, l'appel à la. C'est vous qui la vendez, vous êtes des marionnettes à pognon. Et en tout cas, un comportement anti-républicain. Bon, moi je vais manger un peu, je vais essayer de me rouloter un mégot. Encore plus de tabac, c'est la misère. Sur lesquels je voudrais aujourd'hui qu'on passe à l'action et qu'on s'y adapte. C'est pas mon regard, la loi c'est bien, l'action c'est mieux. Et aujourd'hui. Je me réjouis que le président de la République, la semaine dernière, ait abordé ce sujet. C'est pas facile, c'est courageux de la part d'un chef de l'État de le faire. Mais je pense qu'il faut vraiment que ce soit. Mets de l'huile, allez, vas-y, mets du beurre. Non, mais il n'y a plus de beurre. La France avec laquelle j'entretiens d'excellentes relations, qui pour une immense majorité d'entre elles. Tu ne dois pas avoir d'aérobage, toi. Cet islam radical a elle-même se demandé, a dénoncé des faits, à dire. Partenaire de l'État dans cette action pour casser le communautarisme dans notre pays. Marc, c'était Perra l'avocat hein, à l'époque. Parce que je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui cette culture ou une organisation même, et je pense que c'est important. Bon, sous ça y est. Napoléon Bonaparte, on a imposé à la communauté juive la création des consistoires, et ils l'ont accepté. La religion chrétienne, allez, hein.